أهلا وسهلا بكم في حصتنا الجديدة التي اليوم لها خاصية ورائحة الفوح الكبير من صحرائنا الكبيرة. معنا اليوم السيدة القديرة الشهيرة نسيمة أرحاب. شكرا. Alors, on revient aujourd'hui toujours avec notre super invité. Je rentre dans le vif du sujet que vous voyez à l'écran, Nassima Alhab. Nassima, salut, re-salut. Re-salut les cas. Donc, alors, on a parlé très rapidement. Je crois, ça va, super. On n'a pas le temps. Alors, on a dit les mesures pour les startups lors de... Ah, ça blague. Attends. Bon, on rappelle qu'on avait fait déjà une petite séance avec notre ami Nassima pour parler de la conférence Algérie Innove du 14 septembre qui avait mis sur la table des actions du gouvernement algérien sur la start-up. Dans dire déjà, Starfina appelait la start-up d'exister. Voilà. Et Hbina Namnoa. Donc la start-up algérienne, Hbina Namnoa, la création facile sans. Au registre de commerce. Au registre de commerce, bien sûr. Sans le bail de location. Domicile, bien sûr. Exactement. Mais ça, je bail de location, machine de Sharika. Donc, dans domicile, bien sûr. Domicile, il y a. Ou, le problème, Lyoma, le Kiber, c'est que. On verra comment ça va se passer. Voilà, mais là, pas. Deuxième Hajjad Kiber, c'est. Exonération d'impôts. Mais il faut chez les impôts, voilà. Mais خلصوش c'est un كلمه كبيره ايه بيان سور مي خلصوش لي زامبو مي الناس فهمتها هكا دونك يفوا نعاودو نهضروا عليها ما خلصوش لي زامبو مي كيما كان ما يقول اكزونير مثلا كيما فهموها الجماعه اللي مولفين قال لك ما هذه كيما لونساج تما بوندون 3 سنين ما خلصش 4 سنين ولا عقب سنين ما على بالنا شحال مي اون باك نولي نخلص مي صحبه اوكي مي what's new هذه نعرفوا alors et en tout cas toutes ces mesures quelles qu'elles soient quelle que soit leur nature leur portée leur force leur dimension vont être confrontés à un problème. Exact, qui est très très simple. Qu'est-ce qu'une start-up ? Il va falloir définir l'entreprise, il va falloir la qualifier. Exact. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut définir, qualifier une start-up ? Nassima, s'il te plaît. Alors, il faudrait reconnaître qu'il y a une étape qui vient avant l'exploitation. Et ça, c'est important dans la définition juridique de la start-up. Reconnaître que c'est un processus de développement d'un produit qui répond à une problématique de marché observée. Alors comment tu le ferais, c'est-à-dire sur le plan administratif, comment tu le verrais ? Est-ce qu'il faudrait que quelqu'un aille déposer son idée, son concept ou quelque chose avant au stage de l'idée ? Justement. Devrait aller le déposer quelque part ? L'idée qu'il y ait une entité d'ailleurs qui aide à la maturation de ces idées-là et qui aussi supporte cette partie auprès du start-up, parce que c'est important. Donc aujourd'hui, alors, on fait la voix fin, comme ça, je ne sais pas, Nassima Flegrand. Donc Nassima, tu es en train de dire qu'il faudrait une entité. Au final, ce que tu es en train de définir, si je comprends bien, c'est tu parles d'incubateur, d'accélérateur. Hein, entre autres. Oui, mais ces incubateurs et accélérateurs devraient finalement, pour leur donner un caractère légal. Force de loi officielle, devraient avoir aussi un espèce de droit qui ne serait pas, et donc ils seraient eux-mêmes qualifiés par les instances gouvernementales pour dire toi incubateur Flan, tu as la possibilité de labelliser tout à fait, en gros c'est ça, de labelliser un projet comme une entreprise finalement, parce que là on est c'est un projet. Une idée, une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait de la même idée qui se répéterait au niveau de plusieurs endroits ? Est-ce qu'il y a une histoire de propriété intellectuelle ? Est-ce qu'il y a une histoire de premier arrivé, premier servi ? Même ça, c'est un processus à part entière. Ouais. Même l'enregistrement en termes d'intellectuel, de propriété intellectuelle, et Une idée, c'est possible ? Non, pas au stade d'idée. À l'expérience. On a eu l'expérience par rapport au projet. L'idée n'est pas... Le prototype, par contre, il est brevetable. Voilà. Alors, mais attention, juste pour... juste pour apporter cette précision, le prototype, dans les conditions précises de sa tout conception. Exactement. Si tu fais un autre truc avec différemment, mais qui répond au même... l'enveloppe solo. L'enveloppe solo, l'enveloppe solo, c'est quoi ? C'est, tu prends un crayon, une feuille, tu fais le croquis de ton idée, de ton proto, où tu définis ta théorie, je sais pas, tu veux protéger quoi, même une théorie ça se protège pas comme ça, tu dessines ton truc,
ترمف اون انفلوب تبعه تبعته لينابي زعما سي elle faisait enveloppe solo et ça ça te permet juste de protéger et c'est ce qui a protégé l'invention du moteur auto et compagnie de ton vrai droit parce que voilà aujourd'hui j'ai l'idée mais j'ai pas les moyens de développer le prototype mais c'est moi qui ai l'idée on va quand on a Karim quand on سمع عندي l'idée voilà Karim je te dis خالي هو parce qu'il a le drame il va développer le truc il va le prototyper comme brevet sauf que il y a le patent qui va faire une recherche dans les anciens brevets, mais aussi dans les enveloppes solo. Et ça, ça te protège, mais encore une fois, c'est pas, il faut qu'il y ait moyen. Alors juste, tarafa double, tarafa amas, c'est sujet de brevet, film américain, il n'est brevetable qu'une invention qui a un intérêt économique. C'est ma, ou là, me démontrer, je peux les dhkhl dhraham, ou là, t'économiser dhraham, mais il brevetait walk. Donc, tu vois, ça, c'est une limite. Mais juste pour revenir sur la définition de la startup, puisqu'on en parlait, donc on est vous êtes passé dans la discussion, on est revenu en arrière dans le sens dans l'histoire de vie d'une start-up. La problématique, c'est là, on va être confronté à cette propriété intellectuelle, on va être confronté à la maturité d'idées, tout ça. Alors, à mon avis, ce n'est pas du ressort de l'État. Parce que si l'État, tout d'un coup, avec sa lenteur, sa non-agilité. Non, on ne dit pas que l'État doit désigner, on dit plutôt que l'État doit. Donner la force, donner entre guillemets procuration à certaines entités qu'elles seraient publiques ou privées, éligibles à l'étude de tous ces dossiers pour ensuite qualifier est-ce que l'idée est start-up ou pas. Bien entendu, ceci devrait se faire de manière normalisée, que ce soit la même chose, le même critère d'analyse ou d'annotation qui se fait pour tout le monde. D'ailleurs, je n'exclus pas que les universités. Et une espèce de bureau des startups ou de bureau des inventions ou quelque chose qui pourrait se faire exact. Alors, dans ce sens, pourquoi pas. Ça existe parce que l'INAPI a fait des annexes dans les universités, tout ça. Mais ça n'arrive pas à fonctionner. Et encore, moi, je suis très connu pour mon... Franc-parler ? Non, pour mon... sur tout ce qui est brevet, tout ça, parce que c'est une perte de temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas breveter, hein, faire attention. Mais Lyon, le sujet n'est pas là. En fait, là, on est strictement sur la start-up technologique. Voilà, c'est parce là, qu'on on patine. On n'est que sur la start-up technologique. On patine. Alors, voilà, puisqu'on est rentré. Déjà, c'est vrai, on est tous d'accord aujourd'hui. On comprend que demander au registre de commerce ou à un ministère de faire le job, de définir, de reconnaître, rien à nous de le définir, ça, pas de problème. Au lieu qu'on a besoin de le définir, la définition va être complexe parce que aujourd'hui la start-up elle est définie par d'autres concepts. Donc on est dans l'intangible. Donc demander à un agent du CNRC dans un bureau de il a un agent donc il est nécessaire qu'il y ait un organe de réflexion qui serait apte pour le compte de l'État. De le faire. Ça, on peut imaginer une agence gouvernementale mixte, on pourrait imaginer qu'une agence gouvernementale soit là pour donner procuration à des cabinets ou dans cette procuration qui serait donnée à des entités, des organismes, il y aurait des cabinets, mais il y aurait des incubateurs, des accélérateurs, des universités, on pourrait donner cette force de frappe à des comités qui se montraient, qui seraient bien évidemment sous cette mini sorte de tutelle de cette agence, qui permet donc la force d'action qu'a l'État, parce qu'in fine, le juste commerce, la création, mais qu'on ait des gens qui sont sur le terrain proches des inventeurs ou des créateurs et ou tout simplement des entrepreneurs. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ils auront le temps et la capacité intellectuelle pour reconnaître une start-up du nom de start-up. Donc première étape, il faudrait qu'on ait cette entité et lui donner la force de labelliser, comme on le dit. Alors, oui, tu as raison. Il y a un deuxième aspect qui est aussi important. Nous, je pense qu'il faudrait dissocier la création d'une entreprise sur son plan administratif pur. Donc, CNRC, notaire, etc., statut. Ça, c'est quelque chose. Et ça, c'est doit être quelque chose de commun à toutes les personnes morales, ou personnelles morales ou physiques, peu importe, existe. En tout cas, qui devraient exister parce que le CNRC est l'organe en charge de la création, du suivi, l'enregistrement, etc., des entreprises. Donc, c'est ce qui donne le caractère légal d'exercice. La deuxième partie, c'est tout ce qui va être avantage.
Donc, avantage pour les startups, c'est quelque chose. Donc, quels sont les avantages? Ce n'est pas spécialement lié à un avantage au niveau du CNRC. Je ne vois pas vraiment l'intérêt à avoir un avantage particulier au CNRC. La loi dirait que toutes les entreprises qui veulent démarrer ont la possibilité d'être domiciliées chez elles, à la maison, pendant 2 ans. Ça y est, le problème est réglé. Donc, les deux premières années, il est chez lui. Pour la troisième année, où il a suffisamment de revenus pour se prendre un siège en bonne et due forme, ou le modèle n'est pas viable, il trouvera une autre combine, ou il arrête, ou il transformera une autre société, etc. Alors juste pour ce que je veux dire, c'est que je veux dissocier la partie création de la partie avantage. Avantage. Alors juste pour dire, avantage, on peut se mettre un peu sur la conférence, par exemple. On a le 14 septembre à Algérie, mais on peut pourquoi il faut qu'on mette au clair ça, hein, juste parce que je suis fait je crois qu'on a l'impression qu'on met le bâton. يا جماعة الناس زمان يقولوا البطل يبطل والبلاد ما تحقش العباد هكايا اليوم لوبجيكتيف تاعنا سي كو اون سي ديباراس دو سيت سالتي دو ديبوندونس اي دو اي دو 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 فيس اي دو دو بوازون كي لو بيترول بيترول اي دو كو سي نو اوجوردي لوبجيكتيف سي دو كري دي انتربريز كي فون با باي دي امبو اي كو اي فون اون كري سا بروفونديمون اي كي فون اتون دي زاد اي ان اكومبانيمون اي ما درنا والو. L'objectif, c'est que l'humain, on a besoin parce qu'on parle de notre écosystème, qu'il y ait une impulsion pour voir de plus en plus d'entreprises d'être créées. Parce que, in fine, si on veut avoir notre start-up, notre Skype, qui m'a les Estoniens, ou je sais pas, n'importe quel pays où qui ont leur licorne en France, Doctolib ou Blablacar aux États-Unis, bon voilà, je vais pas refaire le film. La seule solution, c'est un, avoir un écosystème les jeunes entrepreneurs. Ils s'aiment surtout. Oui, c'est l'homme, donc il y a un homme qui a un bébé, mais il y a un juste au niveau de l'incubateur. C'est l'écosystème qui connaît un homme. Ou alors, les jeunes terminés, ils créent, ils tuent, ils créent, ils tuent, ils créent et ils retuent autant et aussi vite des startups et des entreprises pour avoir l'opportunité de voir dans les 10 000 une vraie startup apparaître. On ne pourra pas, c'est lancement ça, c'est en lance. Swarming, on swarm dans la société, on peut pas. Donc, l'humain, l'objectif, c'est je m'attrape, je te lance là. Bah, rapidement, tu me dis déjà là, tu as besoin de l'entrepreneur. C'est très important. Daniel, tu dors avec Daniel, là, le market fit tech, moi, je me suis mis. Il n'est pas encore prêt. Tu es trop en avance à la haute. Tu n'es pas le time to market, il n'est pas là. Donc, ça peut arriver. Mais, à ce moment-là, tu abandonnes, mais c'est comme le vélo. Tu as l'homme pédalé. Alors, il faut noter que beaucoup de startups et de success stories ont démarré avec un projet et ont arrivé au succès avec un autre projet. Ils ont changé en cours de route sans fermer. C'est ça l'innovation. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que, in fine, je vais donner ma définition, hein, comme ça on pas parce que suspense. Parce que Damien, c'est quoi, mais c'est quoi votre définition, mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, roulement de tambour. Sa définition de la startup. Définition de Karim Bourri, la startup. Alors, on va déjà, selon mes convictions, mon expérience. Premièrement, la startup doit impérativement avoir une forme légale, morale. Pourquoi ? Pour protéger le porteur du projet, déjà, d'un côté, pardon, et de l'autre côté, permettre l'investissement. Ou bien les porteurs de projet. Oui, bien sûr. C'est un autre débat aussi. Mais ça, c'est exactement ça. Mmh. La forme morale permet aujourd'hui l'association. Mmh. Et aussi l'ouverture des futures parts à des investisseurs. Et encore une fois, je parle du contexte algérien. Hein, dans d'autres pays, c'est des voraces investisseurs, il faut mieux qu'ils aient une forme légale. Tout à fait. Et machine physique, légale, morale, heure, ça. Aujourd'hui, la heure qui m'a rahé, elle suffit amplement pour répondre à l'objectif terrain. Deuxième étape, cette forme d'entreprise, c'est ou une TPE, toute petite ou très petite entreprise, ou une PME, une petite ou moyenne entreprise. C'est-à-dire qu'on est définition légale actuelle, hein, c'est-à-dire 0,5 personnes. Exactement, elle est liée au nombre de personnes. Voilà, et la TPE et la PME, c'est eux qui portent. Voilà, c'est 200 employés. Jusqu'à 500, elle va jusqu'à 500. Voilà, c'est de 200 à 500 employés. Mais l'objectif, c'est, je réponds à ta... À ta remarque à ta remarque je réponds à votre question monsieur Marché. Donc je réponds à ta remarque du numéro 2 de la dernière fois avec Nassima où tu disais oui est-ce que Condor est une start-up ou pas, puisque Condor est une PME au final, hein. Donc je disais au final je suis en train de te dire que 1, elle doit avoir un statut moral qu'elle soit Earl ou Sarl,
qu'elle permette au final l'association et l'ouverture de parts à des actionnaires internes et des investisseurs. Deux, elle peut être une TPE, une PME, donc ça répond à ta question. Oui, pour moi, Grandeur peut être une start-up. Sauf que elle n'est ni forcément technologique, ni forcément numérique. Elle n'a aucun lien avec l'âge du porteur de projet. Il peut avoir 20 ans, 18 ans ou 200 ans. Elle n'a pas le modèle. Elle n'a pas le modèle. Je trouve les balles. L'enjame, ou elle est comme Gardner un franchissage, plus ou moins le canac, ou l'enjame. L'enjame est extraordinaire à démontrer la force de la femme entrepreneur à Gérard. C'est extraordinaire. Bon, bref, ça c'est un autre sujet, on en parlera, Inch'Allah. Mais l'enjame, il fait un mot. Je crois que Romain, il a 40 ans, si je ne sais pas. Il continue. Hein, l'âge de début, on s'en fout, c'est pas ça le plus. Mais il classe, ou peut-être qu'il a l'enjame. Tant que on voit que tu as la force de faire ce que tu es en train de demander de faire, l'État t'a un. Il n'y a pas de limite d'âge. Donc, déjà, il existe le texte d'un FM. Ouais, d'un seul coup, le start-uping, les jeunes. Donc, on a un statut légal. Tu es PME, TPE. Tu n'as ni à l'âge, ni à la technologie. Tu peux être une technologie, tu peux être un marqueur, donc digital. Mais surtout, tu es sur un marché économique à forte croissance. Le marché économique à forte croissance, ça peut être même les algues, papier toilette, les couches, une application. Dans le contexte économique, ça peut être à ce moment-là à forte croissance. Donc on peut l'appeler start-up chez nous. Et qu'elle ait un côté créatif, je ne dis pas innovant, mais créatif, et idéalement innovant sur son business model. Ou technologique, si possible, ça serait bien. Mais c'est pas BCF, c'est créatif. Et pour terminer, cette startup aurait surtout fait son MVP, son minimum viable product, son prototype, et qu'elle aurait un proof of concept. Le proof of concept, la preuve de la que le business, pas la technologie, fonctionne. C'est-à-dire que une facture client. Wow. Et qui est une étape post, enfin, en amont par rapport à l'exploitation. Donc au final, juste pour revenir, si on retourne à l'histoire, l'agence ou je ne sais pas qui pourrait labelliser, qui a avec un statut légal créé, déjà, J'existe. Officiellement. Je ne peux pas dire que je n'existe. Donc, on est les jeunes dans le garage, je ne peux pas dire que je n'existe. Mais en même temps, on est les jeunes dans le proof of concept. Je ne suis pas encore, oui, j'ai une idée ou j'ai des belles slides. Ça, on n'a pas. C'est l'étape de la coulisse, l'informel, il n'y a pas de problème. Mais qui dit ça avec des gens qui m'aiment. On n'arrête pas de faire ça depuis des années. Les gens nous contactent, on vient, on se met autour de la table, on prend du temps, on réfléchit avec eux. Ensemble, on développe, ils font des prototypes, ils nous les montrent et tout ça. On dit c'est top, c'est génial. Maintenant, c'est bon, je suis le premier client avec. Premier client, on a même chez les cas, quand ça fait les canards qui pendant des heures, ils se font entuber les jeunes parce qu'ils passent par des prétenants. Ils disent Karim Brûlé, mais Karim Brûlé version enfoirée. Il y a un autre Goron Haka où ils disent oh oui, bien sûr, je peux facturer à ta place. Je ne sais pas pourquoi. Karim Brûlé, méchant, il est un peu chinois. Italien. Et du coup, c'est un Australien du premier numéro, mon Dieu. Donc tu vois, in fine, aujourd'hui, l'objectif c'est d'avoir tous ces éléments pour permettre à une agence de pouvoir statuer. Alors l'agence, elle nous aide. Pour moi, aujourd'hui, il est impératif de comprendre si on crée un statut de start-up. Aujourd'hui, hein, peut-être dans 5 ans, ça n'aura aucun sens. Mais l'humain, l'azim, nous pouvons permettre aux charikettes qui ont été déjà créées en amont, ils peuvent faire le kboub babour maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une start-up doit répondre à ce que j'avais dit au début, mais surtout qu'elle pour, elle ait un âge entre 0, je viens de la créer, on dit une chose, je vais vous dire, ou là, c'est entre 0 et 8 ans. Oui, tout ceci pour absorber le retard perdu. Voilà. Et que pour ne pas que ce soit, pour ne pas qu'en fait, que ces sociétés qui ont déjà œuvré ou battu tous les critères d'une start-up, voilà. Ce sont, étaient. Parce que c'est une concurrence, sinon, c'est déloyal. Oui, et l'État, le rôle de l'État, c'est jouer ce rôle de régulateur du marché. Très bien. Nassima, autre chose à rajouter ou à compléter ou à contredire Karim, hein, parce que l'idée c'est difficile de contredire. Il fallait trouver peut-être une autre personne. Attends, on n'arrive pas à se contredire. On est tellement complémentaires ou plutôt on voit les choses de la même manière.
Parfois. C'est pour ça qu'on t'a invité. Voilà. Il ne fallait pas le faire. En fait, c'est la question d'amorçage. C'est l'étape avant exploitation qui est importante et qui doit être reconnue légalement. Parce que là, c'est toute une vie qui est autour de ce projet-là et le porteur de projet a des sacrifices à faire par la force des choses, par aussi le temps qu'il faut accorder à son projet, à son idée. Donc, je pense que c'est l'étape qui va faire la différence entre une entreprise, une PME, une TPE et une start-up à part entière. Donc d'après toi, il y a une étape en amont intermédiaire avant la création qui fera la différence. C'est-à-dire que Karim commence à partir de la création de l'entreprise. Hein. Tout à fait. Donc toi, tu interviens en disant non, et ça serait bien qu'on ait quand même un processus un petit peu avant. Avant, parce qu'il est déterminant. Ouais. Parce que pour un salaire non reçu, pour une crise financière, on pourrait abandonner. Okay. Et ça, c'est important à souligner et à étudier d'une façon plus profonde et plus poussée. Au final, tu reviens à tes travaux de recherche qui sont plus sur la personne, sur l'entrepreneur. Toute l'intention et quel type d'entrepreneur on a face de soi, autant que quantité. La typologie que tu es en train d'avancer, et là je ne suis pas d'accord avec toi, on peut pas être une TPE, une PME ou une start-up. Moi je ne la classifie même pas par rapport à ça parce que le critère lui-même, il n'est pas déterminant. Ce n'est pas le nombre d'employés, ce n'est pas, je dirais, l'activité ni le marché, etc. C'est le processus qui va définir qu'est-ce que c'est qu'une start-up. Et c'est ça qui va faire la différence. Une PME, on peut aller avec un projet quelconque, un foncier et on avance. Bien sûr, on est sur place sur l'exploitation. Parce que sur la définition que j'ai donnée, hein, bien sûr, le dernier point, parce que on est des professionnels, c'est de la scalabilité. Hein, Je n'ai pas dit excellent parce que je t'aime pas. Pour faire simple et facile, il faut pas qu'on. C'est-à-dire qu'à la fin, on serait devant. Vous êtes PME, TPE ou start-up ? Non. Je peux être une start-up, mais PME ou TPE. Absolument. Donc, on n'est pas dans la même catégorie, ni la même typologie. Dans la nature des choses, c'est pour ça que. Aujourd'hui, on a besoin de mettre des mots devant tout ça parce que le législateur veut donner des avantages. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on est confronté à cette problématique. Sinon, normalement, on n'a pas besoin de. Exact. De mais alors, je l'imagine. Mais... Il y a l'objectif, normalement. L'objectif, c'est comme. Bah, je vais vous montrer une start-up à la Google Tban. Mais si dans le fait de donner des avantages aux startups, non, c'est aux entrepreneurs. À lui-même, à la personne. Voilà. Plus vite on a des entrepreneurs, ils se créent. Plus vite les entrepreneurs, ils créent des entreprises. Plus vite ils tombent, ils se relèvent, ils tombent. On va avoir dans ce quark phénoménal des entrepreneurs winners avec des idées extraordinaires et un projet qui va être drainé par le haut. Hein. Mais aujourd'hui, là, on est dans un moment où il faut aider le législateur à prendre des bonnes décisions qu'il faut. Alors, pas faire des erreurs du passé. Alors, je vais apporter un autre point de vue, si vous permettez. Il faut, quand on fait notre état des lieux aujourd'hui sur l'entrepreneuriat ou sur les entreprises de manière générale, donc entrepreneuriat, très bien, mais même les plus anciennes, nous constatons que nous avons un environnement dit souvent hostile. Hostile, oui. OK. Qu'il faudrait, de manière générale, le transformer en environnement favorable. Et je parle de toute l'économie, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir penser aux clients de ces startups, au tissu économique qui va faire circuler l'argent. On va donner des avantages qu'aux startups. Tout le monde voudra qu'être que startup. Et qui va consommer chez les startups du juste coup. Pour aller dans ton sens, hein, ce que je disais au ministre du Commerce, la dernière fois, je disais, monsieur le ministre, attention. Aujourd'hui, vous êtes en train de donner des avantages, et c'est pour ça que je reviens à l'histoire, tu as 8 ans. Surtout, il y a des avantages chez les quêtes, on va définir, ok, il n'y a pas de problème. Quand tu donc un gars, je suis chef d'entreprise, mon entreprise a 6 ans. Donc tu vas avoir un taux de mortalité extraordinaire dans les entreprises parce que tout le monde a hier demain, bah les avantages. Donc tu vas avoir d'un seul coup passer à vitesse supérieure, un truc de ouf. Donc alors si prenons le temps. Alors politiquement de maturer tout ça. Exactement. Et puis, parce que politiquement parlant, c'est top. Hein, tu vas avoir un nombre extraordinaire de création. Mais maintenant, on a une ébate à la science. Exactement. L'objectif, c'est la durabilité.
durabilité. Le et puis durable. Qui participe au PIB. Exactement. Pour développer encore. Au PIB là. Tout à fait. Alors, nous sommes dans un environnement hostile qu'il faut rendre. D'abord, lever des barrières. Mm-hmm. Okay. Après, les barrières, elles sont diverses. Elles sont liées à la pression fiscale. Mais on reste sur le plan en général. Elles sont liées à la bureaucratie. Elles sont le foncier. Elles sont liées à l'accès aux finances, à l'accès aux banques, etc. Donc, comment lever ces barrières et les rendre entre guillemets plus accessibles, hein, s'ils permettraient à un certain nombre de gens de passer de l'autre côté, donc de créer. Okay, on est clair que tout le monde n'est pas pareil, que c'est pas un pas que tout le monde. Et là, tu sais ce que tu es en train de faire, en fait, tu es en train de nous mener à notre prochain épisode qu'on fera avec un autre invité qu'on a prévu pour parler de ça. Actmed Drek, maintenant, l'agence du numérique et du digital, parce qu'on en avait parlé tout à l'heure rapidement. En fait, je parlais de ça parce que pour moi, effectivement, à un moment donné, il y a une différenciation, il y a des particularités start-up. Exact. C'est-à-dire, toutes les entreprises qui se créent, mm-hmm. à mon sens, moi, je pourrais les considérer comme des start-up dans l'idée où il faut faciliter l'accès à l'entrepreneuriat. Il faut simplifier les choses, lever les barrières et il faut créer une attractivité à l'entrepreneuriat importante. Et ça, c'est le rôle de l'État. Okay, quand je dis c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du législateur. L'enjeu aussi, c'est pas d'éliminer le tissu qui existe déjà, parce qu'il est important. Absolument pas. Il peut être considéré comme étant un marché potentiel, même pour les startups. Mais il faut comprendre qu'on a besoin de tout ce type d'entreprise pour faire un tissu d'entreprise et pour participer au développement de notre... TPE, l'Allemagne... Ou PME. L'Allemagne, la grandeur de l'Allemagne n'est faite que par ces TPE et ces PME qui exportent. C'est pas qui ont la capacité d'exporter. Donc, ma fait terrible. Hein, voilà, je t'ai encore une fois la startup parce que la grosse startup qui devient un monstre international, qui devient in fine une licorne qui est valorisée à plus $1 milliard. C'est ça l'objectif. Mm-hmm. Mais dans le tas, il va y avoir la création de plein d'entreprises très belles, respectables, qui va gagner de l'argent, faire gagner de l'argent au pays, et faire gagner de l'argent à des gens et aux propriétaires des entreprises, parce que les entrepreneurs, il y a des années, à côté de ça. Mais l'objectif, c'est d'abord, et on le redit à chaque fois, ok, c'est vrai, mais d'abord l'entrepreneur. Et après, la start-up et la PME, tout ça. Elle aura ses particularités parce qu'elle vit, à mon sens, dans une échelle de temps un peu plus spécifique. Donc, elle aura ses spécificités. C'est d'abord une entreprise, d'abord un entrepreneur, d'abord. Exact. Okay, donc, facilitons les choses, ou alors analysons l'état des lieux aujourd'hui pour lever ces barrières. Pourquoi est-ce que les entreprises ne se développent pas, ne sont pas en croissance sur ce schéma traditionnel dans lequel nous sommes, hein. Donc, je pense qu'il y a énormément de pistes à exploiter. Et c'est pour ça que je reviens juste pour qu'on comprenne pourquoi j'ai fait le lien avec l'agence du numérique. Et parce que c'est malin en ce moment, vous allez commencer à les entendre de plus en plus. Déjà, le ministre du Commerce, il l'a dit. Le ministre du Travail, il l'a dit. On va commencer à les entendre. Oui, à un moment donné, ils vont dire, oui, c'est l'agence du numérique, mm-hmm. c'est qui va le faire. Alors là, encore une fois, les startups de numérique. Or que c'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Voilà, et je fais oublier au début de la discussion, moi, la proposition de définition, oui, plus ou moins on est d'accord, c'est qu'elle n'est ni technologique ni numérique, elle peut être de toutes formes différentes. Mais alors la problématique, c'est que l'agence du numérique, on va lui donner à un moment donné ses fonctionnalités. Si on est assez intelligent pour comprendre que le numérique apporte une grande différenciation, qui est l'agilité, et que cette agence du numérique va travailler à l'agilité gouvernementale, là, tout le monde n'a pas eu. Quand le numérique, machine numérique, n'a pas fait la chose. Après, ça, le numérique, ils vont souffrir. Parce que lui, on a une start-up de l'agro, ou une start-up de les animaux, de les bêtes, ou une start-up de la médecine, hein, mais vraiment de contact, hein, médecine, mais chez e-médecine. Tu auras beaucoup plus de facilité que faire une start-up aujourd'hui dans le numérique. Hein. Parce que l'Eldorado du numérique, c'est vraiment l'Eldorado. Ce parallèle, il va la ruée vers l'or, il y a un gars, il est parti, il a creusé 100 hectares, il a mis ses économies, il s'est endetté, il chauffe en face de lui les terrains labourés. Voilà. Il a planté des arbres, il a planté des pommiers. Ce qu'il a fait. Et c'est devenu
Les orangers, c'est devenu la Californie. Ouais, la Californie, pas la suite. Ah, aussi, voilà. Sûr, ouais. Non, mais juste pour dire. Bah, non, mais ça aussi, c'est pour parler de l'agilité. L'agilité, c'est pas la suite. L'entrepreneur, à un moment donné, qui se dit bon, bon, ça y est, c'est fini. Là, je et c'est ça, ça fait partie du processus. Ouais, exactement. Et ce qui fait aussi de la maturation de son idée. Et ce qui fait ce que tu as dit tout à l'heure, il commence avec une idée, c'est pas l'idée avec laquelle il gagne la fin. Mais c'est ça, alors, c'est deux objectifs. C'est pour ça que quand généralement, même un bio dans les trucs, au CIC, il y avait ma bio et il y a quelqu'un qui venait me voir, me dire mais j'ai vu, c'était en jaune écrit céréales entrepreneur, je crois qu'il y avait une petite erreur, normalement c'est céréales entrepreneurship. Quand je dis non, céréales, le hubob, parce que à NAM, je suis de la même race des entrepreneurs que les patrons de Airbnb, qui expliquaient, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais qui expliquaient qu'à un moment donné... Ah si, il faut raconter l'histoire. Là, il est important. Alors, je vais la faire un peu rapide. Il faut rappeler Airbnb, qui est le mastoc de l'hôtellerie sans hôtellerie. Ouais. Donc, il a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est de ne pas avoir d'hôtel, donc d'immobilier ni d'effectifs. Alors les chiffres comme ça je les ai, mais ils étaient à peu près à 2500 employés. Ils sont valorisés plus que ils sont fort raccord et juste pour donner mais en termes de capacité de lit ils dépassent Accor. Alors juste pour donner un ordre d'idée, Accor a 5600 établissements et 144 000 employés présents sur 80 pays à peu près de mémoire. Airbnb, lui, c'est 1 million avec une présence worldwide et un effectif de dans 2500 au max employés. Hein. Et sauf que quand tu as un chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires où il est égal, non, supérieur à Accor, il est égal à Hilton, donc Starwood et compagnie. Et le pire dans tout ça, c'est que comme il n'a pas les effectifs, il n'a pas les mêmes... La marge, elle est importante. Et lui, quand ils ont commencé, ils avaient été voir toutes ces Hilton. Ils sont réchauffant de l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire, Airbnb? Air, bed, and breakfast. Un matelas à air, donc un matelas gonflable. Et un petit déj. Voilà aujourd'hui la piste. Et puis c'est très intéressant. Parce alors que tout est dit dans le nom de la société. L'idée, elle a commencé à la Silicon Valley, enfin, et pas dans la Silicon, c'est dans la ville où je te ma cache parce que fou là chez moi. Et Roma, quand nous jouons à bon, mais nous les gonflables, qu'est-ce qu'on parle? Les gonflables, donc ma cache, je crois le bain à clair, normalement, donc il y a le salon. Alors bon, il faudra faire un numéro spécial pour comprendre tout ça, la stratégie et qu'est-ce qui a permis à Airbnb d'exister, parce que initialement il y avait Couchsurfing qui était la même version mais Battle, bon bref, qui est on a développé l'idée de Hamon sur avec le constat là à un moment donné pour lever des fonds, donc ils ont été voir les hôtels qui sont au final on m'a fermé tout de suite les canaux, les concurrents des chaînes hôtelières, les chaînes hôtelières ils leur ont guéri à la gueule en disant je connais avec le mftah ou il le gdar ou j'ai dit brané ou enfin. Et ils ont cru, et ça a duré quelques années, le temps que ça démarre et qu'on connaisse les Airbnb qu'on connaît, parce qu'ils n'avaient pas de fric. Et au énième rendez-vous à une banque ou à un investisseur pour avoir du fric, ils arrivent et ils disent voilà, là. Comme d'habitude, le mec il leur dit ouais, c'est bien, bravo, c'est beau, mais c'est fou, on voit pas que, je pense pas que ça fonctionnerait et tout ça. Et par contre, ils constatent quelque chose, ce banquier, c'est quand même, ils y tiennent depuis un moment. Et là, avec pas que ça, ils regardent sur leur ligne, sur leur bilan, hein, et puis ils voient une ligne sur revenus exceptionnels. C'est une ligne où on met tous les revenus qui ne sont pas forcément liés à l'activité. Et c'est quoi ce fric? Ils disent, écoute, en attendant, il faut bien qu'on mange un peu. Voilà. Donc du coup, ils se mettent à faire d'autres trucs. Et, on a vendu des boîtes de céréales. Voilà. Toutes petites boîtes de céréales. Et alors je rappelle une boîte de céréales, t'as Conflex ou là qui m'a dit. Monodose. Morque avec la boîte de céréales, d'ailleurs à l'effigie c'était les élections de la Décourte, t'as Obama. Donc il y avait Obama et son une caricature, hein, voilà, dessin. En mode caricature et tout ça. Donc les gens ont acheté cette boîte non pas pour manger les Conflex, c'est juste pour un homme voter Obama, un démocrate, t'as républicain. Et j'ai un objet collector. Et voilà. Et sauf que cette boîte a dit normalement 2 $, 3 $, t'as mis une trentaine de dollars. Donc ça sur qui قال لهم كي قال لهم شنو هذا قالوا فوالا واش بعناه قال لهم بعتوها شحال قال لهم 30 دولار واف تم على حساب لو بونكي قال تما باعوا عفسه تاع 30 دولار اللي تقال منهم ماكسيموم 1 دولار تما عفسه تاع 30 دولار ربحوا 29 دولار قال لهم فوتري دي تاع اير بي ان بي
Moi, j'y crois pas. Mais par contre, j'y crois. Par contre, vous, si vous êtes capable de vendre des céréales comme à 30 dollars. Ah, donc, et c'est là où le patron de Airbnb parle du céréal entrepreneur, cette capacité de s'autofinancer et de garder cette capacité à attaquer d'autres projets pour générer du cash pour où ça devient ton business ou ça finance ton propre business. Voilà. Tout ça, c'est une éducation à part entière. L'American. C'est un écosystème. Oui, je veux bien l'écosystème, etc. Mais l'entrepreneur, finalement, quand on remonte, ça a jamais été, on n'a jamais appris à quelqu'un à être entrepreneur. Si aujourd'hui ça commence, okay, il y a des méthodes, il y a des façons de faire, il y a des états d'esprit qu'il faut acquérir. Tout à fait, etc. Il faudrait aussi dire la vérité telle qu'elle est, parce que là on est en train d'attaquer l'État et les dispositifs et les facilités qu'on demande encore davantage. Il faudrait savoir que c'est nouveau chez nous. On est une société qui a vécu et qui continue à vivre dans l'assistanat total et qu'on est, on nous inculque dans, c'est-à-dire depuis notre jeune âge, la culture du salariat et de la vie au processus bien clair. C'est des stéréotypes, des éléments de culture qui ont été inculqués. C'est souvent lié à un sentiment d'insécurité. Tout à fait. Essentiellement ça. Et puis mais il y a quand même, dans toutes les époques, eu des entrepreneurs. Tout à fait. Et de grands entrepreneurs. Et l'entrepreneur, ça ne veut pas dire non plus quelqu'un leader chez Alicater. On peut être entrepreneur et travailler chez les gens. Hein. J'entends par là l'esprit, hein, l'attitude d'entrepreneur. Travailler dans une administration publique et avoir l'esprit d'initiative d'entreprendre. Il y a, sur les 10 dernières années, dans les grands groupes internationaux, les patrons des groupes, quand ils étaient appréciés par leurs collaborateurs, et quand on parle avec le collaborateur, on dit que notre patron, c'est un entrepreneur. Donc, voici, c'est ma salariée qui a été recruté, machin bullshit, mais tout à fait. Le sentiment, sa force et son énergie, sa façon de manager, tout simplement, c'était là pour eux un entrepreneur. Et donc, ils utilisaient le mot entrepreneur pour le définir sans qu'il soit. Alors, si vous permettez, là, on va résumer. Okay. D'un côté, pour toi, une start-up, ça doit être quand même quelque chose de structuré sur le plan légal. C'est-à-dire que c'est une entité qui doit exister. C'est une entité. Ça peut être une TPE ou une PME. Donc, on ne s'intéresse pas ni à l'âge de l'entrepreneur en lui-même, ni le nom porteur du projet, ni au nombre d'employés. Exactement. Et ça veut dire que ça va de la TPE à la PME, balaye large. Tout à fait. Mais c'est pas une grande entreprise. Ni à l'âge de la société. Pas du tout. Par contre, elle va postuler. Pour être considérée comme étant une start-up pour un projet qui lui aurait des caractéristiques créatives. Pour être large. Dont la problématique sur le marché est connue. Tout à fait. Okay, ou en tout cas, même si elle n'est pas connue, elle peut être observable. On peut se dire, oui, effectivement, il y a ce problème-là et donc ta solution, ça répondrait à un problème. C'est un marché économiquement à forte croissance. Viable et à forte croissance. Viable et porteur. On avait dit l'idée facture, donc un proof of concept, donc un prototype fait, prouvé, vendu avec au moins une Alors, proof of concept avant la vente. Exact. Parce que le prototypage, etc. Donc, comme quoi on a travaillé à la solution, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, on n'est pas encore à l'échelle de l'idée, même si on a constitué l'entreprise. On a créé, on a fait de nos propres mains ou de développer, ou on a ramené Mjawadokhala, peu importe, en tout cas, ce n'est pas le problème. Mais on a quelque chose pour montrer que ça fonctionne tel qu'on est en train de l'imaginer. Et pour terminer, qu'elle soit scalable. Alors, très intéressante. Et à ce sujet, si tu me permets, je voudrais remercier Anis Ababsia. Oui. C'est un commentaire qu'on a eu sur LinkedIn avec la diffusion. Moi, j'étais parti sur l'idée que toutes les entreprises qui existaient ou qui se créaient aujourd'hui vont forcément utiliser de la technologie. Et donc, elles pourraient aisément être considérées comme étant des start-up, parce que c'est une définition. Voilà. Aujourd'hui, je démarre, j'ai de l'informatique. En gros, je peux être considéré comme une start-up. Et notre ami Anis a rebondi en disant, mais attends, il y a un élément très important, c'est la scalabilité. Tout effectivement, il a pas tort. Il a raison. Merci. Alors, Anis. La scalabilité, pour que les gens le comprennent, c'est un nouveau mot. Alors, c'est la scalabilité. Capable de faire les escaliers. C'est pas la peine. Mais de toute façon, je suis pas stratégique. Non, plus sérieusement, la scalabilité, c'est-à-dire que
La startup, elle dépasse ce qu'on appelle déjà la phase initiale de la phase de déception de la startup. Parce qu'il faut que les startupeurs se préparent, hein, comme tout entrepreneur, à une phase de déceptive. C'est-à-dire que ça ne démarre pas, ou une paire des boîtes à conflex, à des claquettes, à le serial entrepreneur. Et après, à un moment, avec l'ourchak, tu as le business model, tu as le market product fit, c'est ça. Et dès que tu as le market product fit qui se passe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton offre sur le marché rencontre ses clients, tout se passe bien. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que d'un seul coup, tu vas avoir le nombre de clients qui va commencer à augmenter d'une façon exponentielle. Non, d'un seul coup, je le mot déjà d'un seul coup. Et vont apparaître de nouveaux problèmes. Voilà. Et les, parmi les nouveaux problèmes. Dans la joie, dans la croissance. Mais une des problèmes. Enfin. Un des premiers problèmes qui vont apparaître, c'est que ton produit doit être scalable. C'est-à-dire que يقدر يمشي pour 1, يقدر يمشي pour 1 million. C'est-à-dire la force. Parce que quand tu peux يمشي pour 1, باش يولوزو 6 ضرب 1 كوت تو نوفيس باش يمشيو 20 ضرب 2 كوت تو نوفيس ما راكش سكالاب. Alors, c'est تعاود تلقى روحك في لا فاز ديسيبتيف. ما داكش كنت تعاود تولي لور تعاود تو بيك دو ني. حتى وين تلقى هذاك لو فان ايكيليبر entre ton business model et sa scalabilité. La scalabilité, elle répond dans le temps, la technologie, ça revient aussi, la technologie. Et qui peut être détecté dès le début, parce que là, on cherche la problématique, mais on cherche aussi le désespoir. Le désespoir est quelque part dans un groupe de personnes ou un groupe d'entreprises ou un groupe de, je dirais, d'acteurs. Non, attends, j'ai dit... Bon, j'aime pas ce mot, mais c'est ça l'opportunité derrière, tu vois. Exact. C'est que le degré tant que le degré de désespoir est important... et qui est multipliable sur un groupe qui est relativement, je dirais, conséquent, on peut déjà prévoir le degré de scalabilité de son entreprise. Bon, je traduis. Cette émission est sponsorisée par les laboratoires. Des antidépresseurs. Alors, je vais traduire ce que vient de dire mes copains, vient de dire Nassima. Je vais essayer. Je vais faire un super ninja. En fait, grosso modo, je suis un peu un peu un petit produit qui est chez donc indirectement, il est scalable. Il y a deux axes pour tes clients, la peur et l'anxiété. Donc tu es d'accord. Et je dirais même, la peur et l'anxiété, c'est kiff. Donc je résume généralement, la peur ou te finir. Si tu peux régler une problématique, tu as fini un humain, exemple, télécommande, exemple, boîte à vitesse automatique, exemple, le téléphone portable. Peut-être, moi, je peux en citer plein. La voiture, bien sûr. Donc, c'est très mal avec l'humain, connaître la chose, être les mecs, Deuxièmement, le chauf de perdre ton emploi, le chauf de t'ennuyer, le chauf de tomber malade, le chauf de perdre ton argent, le chauf de ne pas gagner d'argent. Demain, dis-toi bien que tu vas te taper dans deux trucs, dans deux aspects de la philosophie et de la psychologie humaine qui pourront te permettre d'avoir un produit extraordinaire. Et pour rester dans ce côté philosophique, une start-up, comme on disait tout à l'heure avant de commencer l'émission, une start-up est en perpétuel dépôt de bilan. La start-up est plutôt, on s'en démarre, n'a les outils les chariques à tag. Mais en dépôt de bilan, en perpétuel dépôt de bilan. Ne donne pas cette définition. Mais c'est le lean. Gouvernement. Non, mais on m'a fait mal. Bonjour, je suis en dépôt de bilan, c'est pas vraiment. Non, mais il faut savoir que vous aurez des entreprises à dépôt de bilan multiples. Mais hein. Le lean startuping, c'est de faire boulot. Donc au début la start-up qui te tla ta botte note je sais pas quand je t'ai haouch ma tak tsed la ma je t'ai mon dolka c'est faut pas vendre aussi le start-uping en mode bisounours arwah ouga non faut pas faut tani qu'on les gens tana blaql l'entrepreneuriat au sens large pour moi il est fait pour tout le monde mais il faut être préparé. Donc la préparation c'est pas taqra ou la taqra des outils mais taqra chez l'entrepreneur. L'entrepreneuriat c'est l'environnement تاعك اللي يخدمك باش تولي entrepreneur. Donc du coup ou là عندك كاش عندك الزهر تعيش هذاك le vécu de vie pour devenir un entrepreneur.
ça risque d'être beaucoup plus dur pour toi que pour d'autres, c'est tout. Et là, tu ouvres une autre problématique. Je pense qu'on arrive à l'heure de démission. Bah, je voulais juste rajouter un truc, si tu permets. Bien sûr, sur les startups. Cher. Après, tu as raison, on a intérêt à clôturer cette partie encore. Donc, on avait dit que les startups, ok, on a énuméré. Donc, d'abord, j'aime bien qu'on résume avec les points. J'espère que peut-être certains nous entendront et donc les prendront en considération. Donc d'un côté, c'est un organe, c'est quelque chose qui existe sur le plan légal, donc accès, CNRC, etc. Il faut être constitué. Exactement. De l'autre côté, ça ne nous intéresse pas ni l'âge, ni le chiffre d'affaires, ni l'année d'existence, l'âge du porteur de projet, ni son secteur d'activité. Exactement. Par contre, son projet doit pouvoir être clairement présenté, défini. Il doit y avoir une implication forte du porteur de projet. Mm-hmm. Il sait exactement. Là, je chauffe ma directeur technique. Hein, donc c'est lui le porteur. Hein, c'est le porteur du projet. Il doit avoir un prototype réalisé et il testé, fonctionnel. Donc il doit pouvoir faire la démonstration de son produit. Il doit connaître son marché, ses concurrents. Il doit faire l'effort de toute cette partie académique de recherche, de benchmark, de compréhension de son marché, de sa portée économique et de sa scalabilité, de manière générale. OK. Donc ça, c'est jusqu'à là, c'est bon. Quoi d'autre, Nassima ? Si c'est rien, je rajoute mes points. Vas-y. Parce qu'après, moi, je me dis, OK, super, mais les avantages qu'on va leur donner, il y a des avantages et il y a des levées d'obstacles. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on entend le plus souvent... Et des obligations. Oui, il doit avoir, bien entendu, des obligations, notamment de respecter les projections qu'il est en train de faire, même s'il ne réussit pas parce qu'on est d'accord que c'est, c'est de l'aventure, hein, il faut quand même avoir démontré qu'on est en train réellement de se démêler pour le faire et réussir. Et que ça soit aussi un apprentissage pour eux. Donc, ce qui implique un encadrement particulier, une formation, un accompagnement et un fonds d'amorçage du mentoring. Alors, le fonds d'amorçage, on risque d'en parler pendant une émission à part entière. Juste, on continue. Après, nous savons aujourd'hui que beaucoup de startups, etc., se plaignent qu'elles, on ne peut pas acheter de logiciel, on ne peut pas acheter notre serveur, on ne peut pas ceci, etc. Toutes les choses qui sont liées à l'achat ou le paiement de devise. Et ça aussi, alors, parce qu'ils n'ont pas. Il y a Google qui se met à. Devise, il a entendu devise. Devise, t'as la main. Ok, merci Google. Ok, même Google, il va te dire. Alors, parce qu'ils ne savent pas, alors il y a Google qui s'en mêle. Je déconne. Donc, je disais, head l'aspect, parce qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que le travail qui est en train d'être fait par le ministère du Commerce, là, le 14, ils ont fait le buzz show-off, quoi, tu vois. Mais je sais que beaucoup de startups qui ont été consultées ont apporté ce côté. C'est-à-dire que moi, personnellement, je m'appelle une trop bizarre ta facile, j'ai essayé de donner mon jus de cerveau, qui est meilleur, j'aime pas cette expression, mais bon, pour définir la startup et pour permettre aux législateurs de baser. Voilà, qui m'a dit. Sauf que je suis holiste, donc la startup, je suis le gars, je suis holiste pour tous les domaines confondus. Qu'ils ont apporté des plus dans leur domaine, leurs problématiques qu'ils vivent. Donc, ils ont soulevé plein de problématiques. Parmi les problématiques, on a soulevé les barrières. Là, j'ai été très terre à terre, comme d'habitude, en qui fait tout le monde. Chloé Sidouaise, elle est un des jeunes que j'encadre, qui est le registre de commerce. Il dit que voilà, le site web est comme dossier, il faut le faire. Il dit le dossier, il dit non, je suis le dossier, il dit le dos, il dit le nom. Qui m'a dit que les jeunes, ils ont des choses qui ne sont pas les mêmes, c'est l'irada. Donc l'irada est pour un oui, pour un autre. Donc il faut que rapide, dès l'autre, on va créer l'entreprise. Oh, normal, là, c'est bon, il est prêt, on truffe le bain, on a peut-être là, je suis à la caméra, il va bouger des montagnes. Mais juste avant, quelques pas avant,
Si tu prends juste un petit courant d'air, il se dégoûte, il disparaît. Mmh. Donc on a essayé de focaliser tel mec. Mais comme je disais, les autres startups, non, ils ont été clairs. Par exemple, certains ont dit, nous, pour acheter un logiciel, mais c'est juste pas possible. On doit faire des gymnastiques, aller dans l'informel, faire la limite du légal, quoi. Mmh. D'autres, ils ont dit, nous, aujourd'hui, au lieu de se focaliser sur notre propre projet, notre propre produit, on fait de la veille juridique, on fait de la veille contractuelle, on fait plein de trucs qui ne sont pas de notre métier parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'on est khaïfin, donc au lieu on nous concentre, on gagne un agit, on a fait le produit, on a des homos, normalement, dollars ou la douane, et des. Donc tu vois bien qu'il y a beaucoup, qui ont apporté des éléments, idées, voilà, des actions et des problématiques et avec des ils ont apporté j'ai vu qu'il y avait aussi toutes les histoires de CNAS, exactement, CASNOS, exactement. Alors double imposition, exactement, la question de l'auto-entrepreneur. Alors la question, moi si moi je pense que écoutez, je vais te dire en quoi la question de l'auto-entrepreneuriat est intéressante, hein, pour les startups, parce qu'aujourd'hui nous avons quand même une pression fiscale forte sur l'emploi. Donc tu es startup, tu démarches, tu es tout seul, en supposant ça. On est deux, on va choisir de ne pas se salarier ensemble parce qu'on aura à payer nos cotisations CNAS et CASNOS. Tu vois. Donc juste quand même, ça c'est important. Par contre, on a besoin de recruter des gens parce qu'on a besoin de faire un ou deux trucs quand même. Alors qu'est-ce tout à fait. C'est pour ça que je pense que parce que là, encore une fois, l'auto-entrepreneur en France. C'est le modèle français. Ouais. Le modèle français, il y a deux choses qui existent juste en amont. C'est le statut de l'étudiant travailleur et le statut de l'étudiant travailleur et le statut du portage salarial. Et je ne parle même pas de l'intérim, hein, juste du portage de. Donc, Hadzoujhadouma sont utiles à l'auto-entrepreneur. Absolument. Alors, d'une façon directe ou indirecte. Moi, j'espère qu'il sera de passage à Alger, un copain qui est en France, qui a commencé à bosser après Oula, etc. Et toute une histoire, il est repassé au régime de l'auto-entrepreneur, donc il pourrait nous raconter. Et in fine, il est salarié dans une start-up, dans un poste bien précis, mais avec son statut d'auto-entrepreneur. Qu'il facture donc à sa société. Absolument. Cette forme a permis à l'entreprise, la start-up qui l'emploie, de réduire. Ça coûte moins cher pour elle de travailler avec un entrepreneur que de travailler avec un salarié. Absolument. C'est là où ça. Mais en amont, c'est pas l'auto-entrepreneur qui va permettre à des entrepreneurs de se tester à l'entrepreneuriat. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre que l'entrepreneuriat, ni ça s'apprenait à l'école, ni ça s'apprenait dans la formation professionnelle, et que la seule solution, ni c'était un art, hein, parce que beaucoup de gens, c'est un art, ou une technique, c'est en fait un mix de tout ça. Mind spirit, un état d'esprit. Exact, un état d'esprit qui trouve son essence dans tout ça. Après, on peut l'apprendre, on peut l'acquérir. En fait, qu'est-ce qu'on apprend? C'est un métier que tu ne peux apprendre que si un maître artisan te donne le marteau et l'enclume et te dit vas-y avec le temps ou attaque et tu en tires les leçons, voilà, attaque la chance de travailler, mais dans des conditions réelles. Il y a un client, il y a un produit, il y a un offre, il y a un marché, il y a un contexte, il y a un tout, et sauf que tu as une sorte de mentor, parce que c'est là où on va voir les histoires le de rôle mentor, du mentorat et tout ça. C'est une autre au pire, tu as la sécurité de ce mentor qui t'encadre, mais que l'objectif, c'est que tu es en train de le vivre réellement. Si on te donne pas la chance de t'essayer à l'entrepreneur, type directeur de salaire et fier d'école, patron direct, et collègue, chauffe, t'es top, j'ai trop de problèmes, un interfait, carte blanche, vas-y, règle-moi tous mes problèmes dans mon entreprise. Donc d'un seul coup, le big boss te donne la force du big boss. D'un seul coup, tu deviens l'entrepreneur de l'entreprise, le créateur de l'entreprise, mais sans l'être. Donc en fait, c'est l'adage, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors moi, j'ai un autre truc. Il nous reste exactement. Je comprends parfaitement. Faut-il créer des startups en masse ou faut-il privilégier la qualité? Pour un premier temps, la qualité. Pour moi, en masse. Pourquoi en masse? Qualité parce qu'elle pourra tirer vers le haut. On a besoin de cette base, je dirais, de premier choix. Qui va tirer le reste. Parce que là, on est dans un terrain qui est relativement vierge, on n'a pas assez.
de start-up, du moins ceux qu'on connaît sans se calcul au bout des doigts. Qualité, oui, dans un cadre qui est plus favorable et qui tire la suite vers le haut. Alors comprenez-moi, moi, ce que je suis en train de par là, c'est est-ce qu'on est dans des traitements de masse, qui veut dire moins de contrôle, plus de facilité, etc. Dossier, j'ai des dossiers, pas qu'on le cacher ou classe, tu es start-up, ou est-ce que plus qualitatif, donc oui, vous avez un pitch dans une Adolé. Semaine, vous présentez 15 minutes votre entreprise, etc. Exact. Ok, la commission se réunira, on vous dira. Donc c'est un traitement beaucoup plus long, beaucoup plus serré, si tu veux. Serré, sélectif. Très sélectif. Et qui donnera droit finalement à un vrai service d'accompagnement de contrôle et d'accompagnement. Hein, parce qu'on, et qui pourra assurer relativement de vraies success stories qui vont influencer le reste. Absolument. Parce qu'on est dans une étape de création de modèle et de tracer le modèle de start-up qui sera particulièrement algérien. Donc. Et par la suite, donc là, les avantages qu'on peut offrir, enfin, à part les avantages, les freins qu'on peut lever, comme on parlait pour les startups, souvent les freins décrits par les startups sont des freins communs à toutes les entreprises. Donc il faut aussi que les startups trouvent leur particularité pour. Mais l'objectif, c'est que la startup devienne une entreprise normale, mais grande, c'est tout. Donc, je suis contre l'idée de l'injustice. Parce que je considérerais, par exemple, que exonérer d'impôts, sans pour autant que ça réponde à tous nos critères, qu'il y a un vrai besoin qui soit adressé, qu'il y a un vrai prototype, qu'il y a une vraie maîtrise, etc. Donc ce n'est pas forcément quelque chose développement de site web. C'est, pour moi, ce n'est pas une start-up. Hein. Non, pas du tout. Le service à part entière. Si le site web derrière... Alors, moi, je trouverais ça très injuste face à d'autres entreprises qui ont développé, par exemple. Je partagerais le RP ou autre chose. Quoi. Mm-hmm. Je partagerais le plaidoirie qui était en amont de ma proposition de définition de la start-up, où je citais Google, où je citais Airbnb, où je citais Amazon comme exemple, prenant les plus grands comme exemple. Mm-hmm. On ne va pas... Amazon, c'est pas une start-up technologique, hein, elle utilise de la technologie au service de son service, qui est de la logistique. Elle est devenue aujourd'hui. Elle ne l'était pas au son démarrage. C'est-à-dire qu'elle est devenue en disant qu'elle investit dans la technologie. Et là, encore une fois, c'est du développement incrémental. On a l'impression qu'on est en train de se faufiler. Non. En tant qu'ingénieur du domaine technique, donc, les définitions de l'innovation, elles ont un problème. Non, elle est devenue parce qu'elle vend de la technologie. Non, je veux dire, ces définitions de l'innovation viennent du monde de la technologie. Parce qu'avant, ça, il n'y avait d'innovation que par l'apparition d'une nouvelle technologie. Et donc, du coup, toute la philosophie de l'innovation a été basée sur la philosophie qu'on avait utilisée dans l'étude de l'innovation technologique. Tu vois le truc. Qui est-ce que nous avons fait le management dans le business, au sens là, on s'est adossé sur ça. Donc, on a des incompréhensions et des erreurs qu'ont fait les gens du management en comprenant la technologie. Il y a eu des erreurs. Donc, c'est qui m'a fait traduire la Bible de l'araméen au latin. Il y a des erreurs. Donc, il y a eu des erreurs. Fait la traduction de la lecture des technologues à la lecture des businessmen, pour schématiser. Mais bref. Encore une fois, aujourd'hui, il est très important de permettre, comme tu dis, d'avoir une transparence dans la définition. Enfin, c'est pas la définition qui doit être transparente, c'est dans l'action de l'octroi de toutes ces aides et qui doivent être limitées dans le temps, que les gens qui ont... Donc, on a besoin de faire des gens. Et après, d'un seul coup, ça veut dire que nous sommes fait un fort partout. On va dire que nous sommes en train de faire un fort partout. Nous sommes en train de faire un نتحاسبوا من الاخراني الفوقاني وما نيش نحكي على اليوم نحكي على من اليوم لا فان لالجيري تسمى لا فان دي طون ان شاء الله دونك دوكو نتحاسبوا اي دونك دوكو انا اليوم نعاون لي ستارت اب باش 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 يروحوا الامام باسكو ما عيني زرقاء ولا شابه ولا باسكو انا نخوص البلاد دونك غدوه انا نعاون فيك انا غدوه نحاسبك باسكو عاونتك شكون هذا اللي يحاسبك حنا الشعب le pays, parce qu'on te donne des avantages. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde doit être conscient de la responsabilité qu'il va jouer et du fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps ni l'argent. C'est-à-dire qu'on va... Donc
on donne beaucoup d'espoir dans toutes ces actions parce que on se dit ça va être dans les 2 ans qui vont venir, on va connaître une crise extraordinaire. Ça c'est clair. Donc si on fait pas quelque chose dès aujourd'hui, pardon, pour dépasser la crise qui va venir et la passer en mode la crise, mais bon, ça va même moi tout le job. Ben je serais de foutre la crise. Moi je pense qu'il y a un bon critère, enfin un des critères qui peut être aussi voilà, intéressant. Ouais. Ça serait de confier ça, tu vois, le rôle des incubateurs et des accélérateurs est important. Dans cet écosystème, ils jouent effectivement ce système de filtre, ils jouent le rôle de ce filtre qualitatif. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent de l'argent. Donc ils ont un enjeu, ils ont quelque chose à perdre et c'est eux qui vont le perdre, tu vois. Alors, ce serait pas comme une administration qui va te dire ok, je te donne ou je te donne pas sans avoir un truc à perdre. Il faudra démultiplier ça par un nombre extraordinaire pour éviter de retomber dans la problématique de le conflit d'intérêts. Honnêtement, Kijetcho, si on levait les contraintes liées à toutes les entreprises. Sans exception, parce qu'il y a des contraintes communes. On lève toutes les contraintes à toutes les entreprises. On a levé 80% des contraintes des startups. Alors, déjà. Non seulement ça, mais si on permet aussi, enfin on permet dans le sens... peut-être que pour elles, incubateurs, accélérateurs, tous les gens de l'écosystème qui pourraient soulever, hein, élever les startups et mener à bien les projets, parce que c'est aussi ce rôle-là. Donc financer, encadrer, accompagner, aider à commercialiser et accélérer, à collecter de l'argent notamment. Si ce rôle pouvait être pris en charge par ces sociétés, si elles se multipliaient, je pense que c'est elles, par le fait d'accepter d'incuber une entreprise ou de l'accélérer, qui joueraient ce rôle de filtre qualitatif parce qu'elles mettraient de l'argent, des ressources pour justement s'assurer que leur investissement qui est fait sera rentable. Il va dans la bonne direction. Mais ce que je veux dire, après là, il y a un risque de conflit d'intérêts. Pourquoi ? Bah, si je mets de l'argent dans la start-up, ben d'abord, est-ce qu'on l'a labellisé ou est-ce qu'on a des avantages ? Mais il n'y a plus d'avantages dans cette histoire. C'est pour ça que je dis on lève les contraintes pour toutes les entreprises. Donc tu reviens au modèle américain. Et puis on revoit ce qui est particulier aux start-up. Et on revoit juste ce qui est particulier aux start-up et on le ferait via ces incubateurs. Exactement. Parce que là, le chantier est ouvert pour plusieurs choses. Et ces structures-là pourraient être privées et publiques. C'est-à-dire on n'exclut pas le fait que l'État ait ses propres incubateurs. Mais allez, je n'exclus pas aussi que Sidi Abdallah, etc. soit géré par des publics. Sans rôle, l'émission principale. En lançant un appel. Please. Attends, la gestion, t'as Sidi Abdallah, on est là, on voulait qu'on vous la gère, Vous voyez le schéma, on lève tout. Ça y est. Du coup, on parle plus d'avantage parce que parler d'avantage, c'est quoi ? C'est toi, tu vas rester sous la contrainte et toi, t'es start-up, t'es tout nouveau, tu viens, tu n'as pas cette contrainte. Tout à fait. C'est injuste. Et c'est pas ça le discours. Exact. C'est tu reviens juste à dire first, l'entreprise et l'entrepreneur. Et après, les startups, elles viendront dans un écosystème où on aura l'esprit de l'échec, où on aura toutes les facilités pour créer rapidement une société. Ah là, c'est particulier. Et après, l'écosystème, encore une fois, et je le redis encore une fois, je vais être méchant, hein, on s'en fout des startups algériennes, in fine. Si on arrive à capter en Algérie avec un écosystème très fort, les grandes startups de la planète, où tu es installé au Fibled, où les jeunes ont d'autres idées, ils créent des entreprises. Très bien. La start-up algérienne, qu'est-ce qu'elle va démontrer ? On aura du mal à créer une licorne. La start-up algérienne, a priori, a plus de chances de s'intéresser à des problématiques algériennes. Exactement. Tout à fait. Parce que même l'Algérie en elle-même est un marché porteur. Plein de choses à faire. Exactement. Mais ce que je veux dire. اليوم الوقت كي نعاودو نحطو الوقت ما دوكا خلاص نعاود نطلع للنيفو ماكرو كي نطلع للنيفو ماكرو ونشوف الوقت اللي عندي باش اليوم نخلي بلادي تكون لاباس من على 5 سنين سي شو سي با ستارت سي با اون كارت كي با اباريت شي سي سي je suis quelqu'un d'optimiste de positif je veux y croire là par exemple qu'une startup algérienne va mais l'écosystème n'est vraiment pas favorable et pour mettre l'écosystème favorable à l'apparition d'une startup algérienne une licorne algérienne Par contre, on est capable de créer des startups aujourd'hui pour nous permettre de. Développer un écosystème pour les startups c'est le MVP de la
Je fais moi, niveau macro. Mais c'est pour ça que dans ta phrase, j'aurais préféré que tu la fasses sans rajouter le mot start-up. C'est les entreprises. Là, 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 start-up, malèche. Dès l'écosystème. C'est quoi la start-up? C'est quoi l'entreprise? L'écosystème, tac. D'où le bled, l'objectif premier est un écosystème qui appelle les startups de l'international. C'est-à-dire que je vais avoir un produit qui s'appelle Algeria Startup Generation, ou je ne sais pas comment on l'appellerait, qui va faire du pied à toutes les grandes startups comme on est en train de le faire, toutes les régions de l'Europe, toutes les Estonies. Il a développé l'e-commerce. Parce que je ne sais pas. C'est le coût de l'incertitude. Je vous rappelle que Knight, prix Nobel, vous allez voir que ce n'est pas le risque, l'effet drame, c'est l'incertitude. Et comme l'incertitude, maintenant, on a. C'est proche, prix Nobel. Même Bangladesh, on a pris le mandat. Bon, malinage. Donc, l'idée, c'est de dire, l'homme, quand on a dit, on a dit, Algérie de start-up, quand on a le potentiel de l'avoir là, start-up addict, on a dit, c'est-à-dire que dans ce cas de figure, il y a PH. C'est des probabilités. PH, je fais le doctorat. Il y a PH dans son modèle qui dit, c'est basique. La compétence, le top, parce que du moment, on est tous d'accord que le capital de l'entreprise, c'est les ressources humaines. Et que la fameuse compétence extraordinaire, donc tu es en permanence en train de la chercher à l'extérieur. Donc cette dynamique te fait que tu es en permanence dans la recherche des talents, des trucs, etc. Donc tu as un niveau macro qui s'appelle l'organisation entreprise État. Bah, les entreprises qui sont à l'intérieur ne sont que des ressources. Nous ne sommes que des agents économiques. Nous, une entreprise, c'est bien une entreprise, une personne morale. Donc aujourd'hui, c'est mais bien sûr, c'est exactement ça. On vient voler vos compétences algériennes. C'est la guerre du nœud. Vous n'avez pas encore compris. Bah, l'objectif aujourd'hui, c'est voler les compétences économiques. Quand je dis compétences, c'est les formes économiques. C'est-à-dire que je te vole un chef d'entreprise, il me fait démarrer une entreprise algérienne, comme je te vole carrément une entreprise. Donc aujourd'hui, nous le dos là, agile, ou avec l'agence du digital, va faire son job, elle impulse cette agilité dans tout notre gouvernement. Le gouvernement va être obligé de développer un produit qui va s'appeler l'écosystème qui appelle toutes les startups de la planète à venir s'installer fiscalement en Algérie. Thank you very much, merci beaucoup. Merci. Un dernier mot avant de clôturer. Enfin, je vous remercie pour l'initiative déjà. Dans ce sujet. Vas-y. Dans le sujet, y a des choses à dire encore davantage. Par contre, on a fait, je pense, le tour de la question. Le débat est encore ouvert et la définition est à peaufiner encore davantage. Et cela ne regarde pas. Non, regarde pas. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Ceux qui ont pris la route pour arriver à Jelfa, je pense que l'arco. On a salué. Il y a un des start-upers de Nazima qui travaille sur. Comment il a appelé maintenant? Il a changé le nom de son produit. Eagle Eyes, non, comment il l'a appelé? Node? Node. Il a appelé Node. Il m'a écrit la dernière fois, il a dit, Kem, c'est sympa, ouais, c'est cool et tout ça. Il habite à Tlemcen. Ouais. Donc il faisait ça, il m'a dit, dis-le, je vais tomber le chou parce que. Je ne l'ai pas dit, je les gens qui comprendront ce qu'on essaie de raconter seront intéressés. Les autres, on vous intéressera, on réussira à vous intéresser. Je rappelle qu'on est toujours sur YouTube, Facebook, la page Facebook, Spotify, de KROI, toujours sur YouTube et aussi en audio sur Spotify dans la circulation. C'est très bien fait, Alger. On essaie de parler en arabe et en français, mais si vous avez besoin qu'on parle plus en français, dites-le nous, ou plus en arabe. Des questions, des commentaires. Voilà, les questions sont bienvenues. Et encore une fois, merci Nassima d'être notre première invitée. Merci Karim. Merci à toi, Nassima. Merci Karim. Merci Ro, comme d'habitude. Ciao. C'était 2K ROI. Et comme d'habitude, tu nous fais une petite voix à la. Tu nous fais. Tu sais faire Barry White ou tu sais pas? C'est tout. Ciao.